Oh my King, O Lord, you have a people here tonight may receive something that will approach and bring us close to you, purge our sins and trespasses, and give us, O my King, O Father, an assurance that we are part of the kingdom, and when this journey is over, we have to meet you again. May you take control, O my King, O Father, from the pulpit to the last bench. Take dominion and oversight to King as we rebuke all spirit that are contrary in this place in the name of Jesus Christ. And we invite, O my King, your majesty to talk over and lead us through, O my King, O Father, as we partake to sharing of the bread. Bless the minister and bless the congregation and all of us under your guidance and leadership in the name of Jesus Christ. Amen. Brother Sylvester, you bring pastor. Me, if thou blame, donateur de tous les moments merveilleux et dons excellents, toi celui qui a gardé ce peuple depuis le dimanche et qui a permis qu'en ce jour, précisément à cet instant, que nous puissions se réunir dans ces lieux, dite maison de prière. Nous voulons nous recommander à toi, Seigneur Jésus, et nous avons besoin de ta présence. Nous voulons que tu puisses tenir la direction de ce réunion, que tu contrôles la chair jusqu'à la dernière personne. Que tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie ne puisse pas prévaloir ni dominer, Père éternel, notre Dieu, au milieu de nous, mais que seul l'Esprit de Dieu puisse venir prendre le contrôle de nos émotions, de nos sentiments, de nos désirs, de nos requêtes et de nos besoins. Sois le Maître suprême au milieu de nous, Seigneur notre Dieu. Nous avons besoin de ton onction pour te servir. Envoie l'onction sur nous et sur ton peuple, Père éternel, bénis chacun de nous. Lorsque la parole sera relâchée, que cela puisse apporter la délivrance, la transformation, et cela nous ramène à l'image parfaite de Christ. Bénis chacun de nous. Tu béniras ton serviteur qui nous accorde encore sa chair ce soir, et tous ceux qui collaborent et travaillent avec lui. Tu béniras ton peuple, car nous nous attendons à toi pour tout, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. We are going to read the word of God. Nous prendrons le livre d'Ecclésiaste. We will take the book of Ecclesiastes. Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Ecclesiastes chapter 3 verse 11. Vous pouvez aller directement en anglais. He had made everything beautiful in his time. Also, he has set the world in their heart, so that no man can find out the work that God make from the beginning to the end. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. May the Lord bless the reading of his word. You may be seated.
Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ pour ce soir. We say thank you to the Lord Jesus Christ for tonight. Il avait déjà fixé ce programme. He already fixed this program. Nous voilà, nous sommes en train d'exécuter ce programme ensemble. And here we are doing the program together. Alors, nous avons posé notre fondement depuis le vendredi passé. We have set our foundation since last Wednesday. Nous avons donné le titre à notre message. Where we give our title to our message. Pourquoi l'homme est-il incapable de saisir l'œuvre accomplie de Dieu? Why a man is unable to catch the work of God? Il y a l'œuvre qui est déjà accomplie par Dieu. There is a work that is already accomplished by God. Mais qu'est-ce qui fait que moi et vous nous sommes jusque-là incapables de les saisir? Why is it that you and I we are unable to catch it? Nous avons vu lorsque Dieu créa l'homme. And we've seen when God created man. Après l'avoir créé. After being created, selon les paroles du roi Salomon, according to the word of Solomon, il nous dit que Dieu a placé dans l'homme la pensée de l'éternité. God placed in the man the thought of eternity. Donc, quand Dieu a fini de créer et de façonner l'homme, so when God finished to create and fascinate a pris man, la pensée de l'éternité, il l'a placée dans l'homme. He took the eternity mind and place it in et the man. La pensée de l'éternité que les autres traducteurs traduisent en disant que c'est tout un monde. And the eternity thought, according to other translators, they say that the entire world. Pour nous qui lisons la version d'Arbi, Arbi parle du monde qui est placé dans un homme. For us, with that read the version of Abib, it says the entire world that is placed in a man. Donc la pensée de l'éternité ici, ça veut dire tout simplement que Dieu, après avoir créé, il a commencé par des petites choses jusqu'aux grandes choses. And the eternity thought it means that after God created the small thing, he started by the small things. Il a commencé par des petites choses jusqu'aux grandes choses. He started by the small things until après to the great avoir things. Fini l'œuvre de sa création. After finished the work of his creation. Dieu a placé tout sa création ou tout le monde dans un homme. And God placed everything in Amen. De telle enseigne que l'homme est l'être le plus supérieur de toute la création de Dieu. In such a way that a man is a superior being of all the creation of God. L'arbre n'a pas le niveau de l'homme. A tree does not have the level of a man. Les poissons n'ont pas le niveau de l'homme. A fish does not have the level of a man. Les reptiles n'ont pas le niveau de l'homme. A reptile does not have the level of a man. Les animaux n'ont pas le niveau de l'homme. Animals, they don't have the level of a man. L'homme est supérieur. A man is a superior. C'est la perfection de la création de Dieu. It is the perfection of creation of God. Quand Dieu arriva à l'homme, il a arrêté l'œuvre de sa création. And when get to a man, he stopped the works c'est of creation. C'est pourquoi Dieu a placé le monde dans l'homme. That is why God placed the world in a et man. Tout ce dont l'homme a besoin, ça se trouve en lui. And whatever a man needs is inside himself. C'est pourquoi l'homme est le seul maître qui peut parler à tout ce que Dieu a créé. And that's why the man is the master that can speak et to everything that God created. Aujourd'hui, ou and vous comprendrez aujourd'hui. You understand today or you will understand today. Le pourquoi. Why? Pourquoi Dieu, après avoir fini l'œuvre de why? La création, after God finished to create the il the amena tout ce qu'il avait créé devant l'homme. He brought everything that he created before pour man. Pour que l'homme les nomme. So that man can name pour them. Que l'homme donne l'identité à cette à la création. So that man give identity to the creation. Il a amené les poissons, c'est l'homme qui a nommé les poissons. He brought the fish, is the man il that a amené that gave les arbres, c'est l'homme qui a nommé tous he ces brought choses-là. The trees and is the man that named them. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui why? Une profondeur. Because he was in him. Il y avait le monde dans l'homme. There was the world in a donc, man. Dieu nous dit ce soir God tell us tonight, que tel que nous sommes so, ici, as we are here now, nous avons le monde en nous. We have the world in us. Malheureusement, luckily, nous sommes incapables de saisir ce qui est en nous. We are unable to catch what is nous in sommes within incapables ourselves. De réaliser l'œuvre que Dieu a déjà accomplie. We are unable to realize the works that God has ce done n'est pas already. Que Dieu accomplira dans le futur. It's not that God will accomplish non, it in the il future. Il a déjà tout accompli. He already accomplished it. Il a accompli son œuvre. He accomplished his work. L'homme est incapable de saisir l'œuvre que Dieu a fait. But a man is unable to catch the work that God has done. Du commencement jusqu'à la fin. From the beginning to the end. Et nous avons posé la question, pourquoi l'homme est si incapable? And we ask the question, we say, why
Amen. Is et unable. C'est là que cela nous a poussé à faire notre étude dans la parole. And that's what pushed us to make a study in the word. Nous avons vu l'apôtre Paul parler dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23. We have seen the apostle Paul talking about. Où nous voyons l'apôtre Paul exprimer un souhait. Where the apostle Paul was talking about the wish. Allons prenons-les quand même et lisons cela. Let us read him. Il est toujours bon de relire la parole de Dieu. It's always good to read the word of God. Dans 1 Thessaloniciens, in 1 Thessalonians, chapitre 5, chapter 5, verset 23. L'apôtre Paul dit quelque chose. The apostle Paul says something. Il dit quelque chose de très important là-bas. He says something that is very important there. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entière saint. And very God of peace sanctify you wholly. Et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps. And I pray God you whole spirit and soul and body be pour preserved. Pour que vous soyez irrépréhensible lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Unto the coming of our Lord Jesus Christ. Ah, donc voilà ce que l'apôtre Paul parle ici. Here's what Apostle donc, Paul is talking c'est about. C'est lui qui here. Fait relever les trois parties qui nous composent. He's the one that gives the three parts that make il us. Il parle de la sanctification. Il parle de la purification. He's talking about the sanctification. He's talking il about il the demande purification. Que notre esprit soit purifié. He said that our spirit must be sanctified. Que notre âme soit purifiée. Our soul must be sanctified. Ainsi que notre corps soit aussi purifié. As long as our body. Alors nous sommes composés de corps, d'esprit et de l'âme. We are made of the soul and the spirit. Alors si nous partons, nous partons dans la maison de Dieu. If we go to the house of God, et que nous écoutons la parole de Dieu. We listen to the word of God. Chaque fois que nous venons ici, whenever we come here, il y a la prédication qui concerne le corps. There is the preaching that concerns the body. Il y a body, la parole qui concerne votre âme. There is the word that concerns your soul. Il y a la parole qui concerne votre esprit. There is the word that concerns donc, your spirit. Nous devons amener l'évangile à tous ces trois niveaux de nous-mêmes. We must bring the gospel at parce this level to ourselves. Nous sommes trinité. Because we are three in one. Nous sommes âme. We are soul. Mais pas seulement l'âme. Not only a soul. Nous sommes esprit. We are spirit. Pas seulement un esprit. Not only a spirit. Nous sommes aussi corps. We are also a body. Voilà ce qui nous compose, mes chers amis. That's what he makes us. De tous les trois éléments qui nous composent. The three elements that make us. Alors nous avons tiré simplement un seul élément, c'est l'esprit. We just take one element, which is the spirit. Et l'esprit, pourquoi nous devons parler de l'esprit? And why we must talk about the spirit? Pourquoi nous devons insister sur l'esprit humain? Why we must emphasize on the parce human spirit? Parce que c'est la base de toute chose. Because that is the base of everything. L'esprit de l'homme est un esprit réceptif. The spirit of man is a receptive c'est spirit. C'est celui qui peut recevoir. Is the one that can receive. Et c'est celui qui peut aussi rejeter. And is the one that can reject. Tout se reçoit dans l'esprit humain. All receive in the human spirit. Et tout se rejette aussi dans l'esprit humain. And all is being rejected in the human nous spirit. Nous posons la question, pourquoi nous sommes-nous incapables de saisir l'œuvre accomplie de Dieu? Then we ask the question, why we are unable to catch the work of God? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Are we together tonight? Est-ce que nous sommes en esprit ce soir? Are we in spirit? Tonight. C'est là que nous avons compris que that's why we understood il that faut que nous arrivions à faire la différence we must make a difference entre l'esprit de Dieu et l'esprit humain. Between the spirit of God and the l'esprit human spirit. L'esprit de Dieu est une autre chose. The spirit of God is another thing. Et l'esprit humain est une autre. And the spirit, human spirit et is another thing. Tel que nous sommes ce soir, and as we are tonight, nous sommes esprit, we are spirit, nous sommes âme, we are soul, et nous sommes corps. And we are God. Et c'est cela qui fait de nous un être vivant en mouvement. And that's what make a living God in movement. Sans l'esprit de Dieu, without the spirit of God, mais nous marchons. We walk. À cause de l'esprit qui se trouve en nous. Because of the spirit that is in us. Et à cause de l'âme qui se trouve en nous. And because of the soul that is in us. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Est-ce que c'est merveilleux de se retrouver ce soir dans ce cadre? Is it marvelous to find ourselves in this place tonight? Écoutons, parlons maintenant de ce qui s'est passé dans les livres de la Genèse. Let us talk about what happened in the book of Genesis. Amen, amen. Amen, amen. Écoutons d'abord ceci. Listen first avant d'aller this. Dans les livres de la Genèse, je prends dans les livres de 1 Corinthiens, je prends le propos de Paul. I go first to 1 Corinthians. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Chapter 3.
1 Corinthiens chapitre 3, le premier verset. 1 Corinthians chapter 3. L'apôtre Paul dit ceci. Apostle Paul said this. Pour moi, mes frères, and me, brethren, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Could not speak unto you as unto spiritual. Mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. But as unto carnal, even as unto baby in Christ. Amen. Amen. Nous voyons ici l'apôtre Paul fait relever un détail très important. He gives us a very important element. Il nous parle de l'homme spirituel. He's talking about the spiritual man. Et il nous parle de l'homme charnel. And he's speaking about the carnal man. Et il dit l'homme spirituel. He says a spiritual man. Il parle en parlant de l'homme charnel. By talking about the carnal il man. Il nous compare, il comparait ceux de Corinthe. He was comparing those from Corinth, qui croyaient déjà en Jésus-Christ. That believed already in Jesus. Qui étaient déjà considérés comme des croyants. He was They were already considered like believers. Ils les considéraient des hommes charnels. They were considered like the carnal men. Parce que jusque-là, c'était que des enfants nés dans le royaume, mais qui n'ont pas encore reçu la maturité. Because they were just the children that were born in the kingdom, but not yet received the maturity. Alors, un homme spirituel, a spiritual man, c'est un homme qui a déjà reçu la maturité. It's a man that received the maturity. Un homme qui est né dans le royaume, a man that born in the qui, kingdom, jusque-là, il est encore un bébé. Until now, he's still a baby. Il est un homme charnel. He's a carnal man. Mais un homme né dans le royaume, a man born mais in the qui kingdom, a grandi grow up, et qui a déjà reçu la maturité, already received maturity, celui-là, on peut l'appeler un homme spirituel. That one we can call him a spiritual Ainsi, man. Nous voulons tout simplement faire la différence. Now we want to make a difference. Que signifie un homme spirituel? What it means, a spiritual man. Et que veut dire aussi un homme charnel? And what's the meaning of a carnal man? Un homme spirituel, a spiritual man, c'est un homme rempli de l'esprit. It's a man that is filled with spirit. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Un homme spirituel, a spiritual man, c'est un homme rempli de l'esprit. It's a man that is filled with spirit. Influencé par l'esprit de Dieu. He's been influenced by the spirit of God. Qui est influencé par les réalités célestes. He's been influenced by a celestial reality. Un homme qui est dirigé par l'esprit. A man that is being led by the spirit. C'est cela un homme spirituel. That's what the spiritual Alors, man. Qu'est-ce que la Bible appelle un homme charnel? What the Bible call a carnal man? Un homme charnel, a carnal man, c'est un être dominé par les réalités terrestres. Is a man that is being attracted by the By the things of the earth. C'est un être humain. Is a human being. Mais qui est dominé. Il est toujours influencé. But he's been influenced. Il est dominé par les réalités terrestres. He's been influenced by the earth. C'est un homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles. Is a man that counts on himself only. Incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. And is unable to catch the truth. Being spoken by God. Voilà l'homme que la Bible appelle homme charnel. Yes, the man that the Bible called non, a carnal l'homme man. Spirituel, a spiritual man. C'est un homme qui est dirigé, rempli par l'esprit de he's Dieu. A man that is filled by the spirit of God. Il est capable d'accepter les réalités célestes. He's able to accept the celestial reality. Amen. Amen. Et un homme charnel, and carnal man, c'est un être dominé par les réalités terrestres. Is a man that is being influenced by Toute the earth. Sa vie dépend de ce qu'il voit. All his life depends on what he sees. Il dépend de ce qu'il écoute. It depends on what he listens. Il dépend de ce qu'il touche. It depends on what he touches. Il dépend de ce qu'il ressent. It depends on what he feels. Il est dominé par les réalités terrestres. He's been influenced by the earth. Il est dominé par il n'a que pour moyen les cinq facultés ou les cinq sens. He's got only his five senses. Et cet homme-là est charnel. And that man is carnal. Si il voit qu'il a encore les bibons sur sa peau, if he see he's got some pimples on his skin, alors il croit simplement totalement à ses bibons que même si la parole lui dit que le contraire, il ne pourra jamais être en mesure d'accepter sa propre guérison. He only believe on that pimples, even if the word tell him the contrary, he will never believe that. Si son enfant est toujours dérangé, if his children is always et il voit que l'enfant continue à manifester les mêmes actions, and he see the children that he keep on doing the same thing, s'il vient dans la maison de Dieu, if he comes in the house of et God, que la parole de Dieu lui dit le contraire, and the word of God tell him the contrary, il sera incapable de prendre ce que la parole de Dieu a déclaré. He will be unable to take what the word of God says. Il va continuer à s'attarder sur ce qu'il voit. He's going to do
il est incapable de croire dans ce qu'il ne voit pas. He's not able to believe in what he's not seeing. Pourquoi? Why? Parce que c'est un homme charnel. Because he's a carnal man. Est-ce que nous comprenons très bien? And do we understand together? Si on lui dit que tu es béni, if you say that you are blessed, alors qu'il retourne chez lui à pied, when he goes back to et qu'il n'a pas les moyens de payer même les Uber, and he does not have a means to pay even a taxi fare, alors il continuera à croire que non, il n'est pas béni. Then he was going to believe voilà. That he's not blessed. Parce qu'il est un homme charnel. Because he's a carnal man. Il ne s'appuie que sur ses facultés. He always depends on his faculties. Est-ce que nous comprenons très bien ce soir? Do you understand? Gloire à Dieu. Tonight, acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Let us clap for the Lord. Merci Seigneur pour ça. Nous pouvons avancer maintenant. We can advance now. Alors, l'homme charnel, a carnal man, dont nous parlons ici, that we are talking about, c'est un homme qui a aussi ces trois parties. Is a man that is got also three parts. Il est corps, the body, esprit, the spirit, et âme, and soul. Il a l'esprit. He's got spirit. Il a l'âme. He's got a soul. Et il a le corps. And he has also a body. L'homme spirituel. A spiritual man. C'est un homme. He's a man. Qui a aussi le corps. He's got also a body. L'esprit. Spirit. Et l'âme. And soul. Amen. Amen. La seule différence. The only difference. Est que l'esprit de l'un. Is the spirit of one. Il saisit. He's catching. Il saisit. He's catching. Les réalités célestes. He's catching the reality. L'esprit de l'autre. The other spirit. Est incapable. Is unable. De saisir. To catch. Les réalités de Dieu. The reality of God. Amen. 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 Frère Branham dit ceci. Branham said this. Voilà, il y a même les dessins là au tableau. There is a drawing okay. There on the board. Frère Branham dit ceci. Brother Branham said this. Nous allons dans la vision de Patmos. We go in a Patmos vision. Au point 91. To quotation 91. Je prendrai juste cette partie. I will take only that part. Il crie, il dit. He said. Vous ne pouvez rien faire de bon. You cannot do any good. Il s'adresse à tous. He's talking to everyone. Toi qui m'écoutes ce soir. You listen to me tu tonight. Ne pourras rien faire de bon. You cannot do anything good. Vous ne pouvez rien faire de bon tel que nous sommes rassemblés ce soir. We cannot do anything good as we are gathering tonight. À moins d'entrer premièrement dans l'esprit. Unless we get first in the spirit. Dieu ne saurait vous utiliser. God will never use you. Moi, je ne peux rien faire. Me, I do nothing. Dieu ne pourra faire rien dans ma vie. God cannot do anything in my life. Pour que Dieu m'utilise. For God use me. Pour que Dieu t'utilise. For God use you. Il a besoin de l'esprit. He need a spirit. Pour que toi tu écoutes Dieu. So that you can listen to pour God. Que tu réalises les merveilles de so Dieu. That you can realize the wonders il of God. Il faut que tu entres dans l'esprit. You must enter in the spirit. Est-ce que nous comprenons? Do you understand? No, on ne peut rien faire we cannot de bon. Do nothing good. Si vous voulez faire des réalisations, if you want to do something vous great, ne pouvez jamais contourner l'esprit. You cannot bypass the spirit. Est-ce que nous sommes ensemble ce are soir? We together tonight? Et quel est le rôle de votre esprit? And what is the function of your spirit? Quelle est l'importance de votre esprit. What is the importance of your spirit? Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Écoutons un peu ceci. Listen to this. Nous sommes dans la Bible. Allons dans la Bible. We are in the Bible. Let's quel go est le rôle de votre esprit? What is the function of your spirit? Job chapitre 32. Job chapter 32. Verset 8, il dit ceci. Chapter 8, he said. En réalité, dans l'homme. In reality, in man. C'est le esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Is the spirit of the Holy Mighty that gives the intelligence. En réalité, dans l'homme. In reality, in man. C'est quoi? Is what? C'est l'esprit. Is the spirit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Of the Holy Mighty that gives the intelligence. De
tous les trois parties qui vous composent. All the three parts that makes you. Mais l'esprit qui est en vous. But the spirit that is in you. C'est cet esprit-là qui donne à l'homme l'intelligence. Is that spirit that gives to man the intelligence? C'est ce qui rend les choses réelles. Is that makes the things real? Tout ce qui est réel dans votre vie. What that is real in your ne life? Ne peut jamais l'être sans votre esprit. Cannot be without your spirit. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Do you understand tonight? Votre esprit joue un très grand rôle. Your spirit has got a big function. En réalité, dans l'homme, in reality, in man, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant, the spirit, the breath of the qui Almighty, donne l'intelligence. That gives the intelligence. Voilà le premier rôle que joue votre esprit. That's the first function that play your spirit. Et dans toujours le même chapitre, in the same chapter, au verset 18, to, Job dit, car je suis plein de paroles. I am full of matter. L'esprit me pousse au-dedans de moi. The spirit within me constrains. L'esprit humain, human spirit, c'est le motivateur. It's the motivator. Donc l'esprit que Dieu a placé en vous, the spirit that God put in you, c'est celui qui vous motive. Is the one that gives you the motivation. C'est celui qui vous pousse à poser des actions. Is the one that push you to donc, sans put some l'esprit action. Humain, some human spirit, je n'agirai pas. I will never act. Sans l'esprit en moi, without a spirit in me, je ne regarderai pas. I will not look si at. Je peux voir if mon I can prochain, see, si je peux voir les autres, if I can see the c'est others, parce qu'il y a un esprit en moi. It's because there's a spirit donc, in me. Quel est le rôle de votre esprit? What is the function of your c'est spirit? De vous motiver. It to motivate c'est de vous you, pousser à poser des actions. To push you to make some même action. Avant que je libère la parole, before I release c'est the mon word, esprit qui me fait pousser. My spirit même avant que tu me. Soulèves la main, even before you c'est l'esprit your qui te pousse à soulever la main. Spirit that push you to même avant your de secouer la tête, even if before you c'est l'esprit your, en toi your qui te pousse à secouer la tête. Spirit in you that push you même to, avant to de dire hey, Amen, c'est à cause Amen, de l'esprit qui est en toi. It's because of the spirit that is quel est le rôle de mon esprit? What is the role of my spirit? Quel rôle joue mon esprit? What is the role of my spirit? Mon esprit est là my spirit is pour there me donner de l'intelligence, to give me understanding, pour rendre les choses réelles, to make things real, tout autour de moi, around myself. Premier élément. First element. Deuxième élément. Second element. C'est un motivateur. It's a motivator. Qui peut dire amen à la parole? Who can say yes to the word? Dans Job chapitre 32. In Job chapter 32. Au verset 19. Verse 19. Amen, amen. Amen, amen. C'est comme il compare l'esprit de l'homme comme un vin. He compares the spirit of man like a wine. Qui n'a pas d'issue. That's not a, un vin. A wine. Renfermé dans les outres. That is mais shut. Qui n'a pas d'issue. But does not have the vest. D'issue, c'est-à-dire sorti. Okay, does not have a way to escape. Amen. Amen. Ça fait pression. It makes pressure. Non, c'est l'esprit. It is the spirit qui vous presse. That press you. C'est l'esprit. Is the spirit qui vous pousse. That push you. Dès que votre esprit quitte le corps. Once your spirit leaves the body. Cette fonction d'agir est partie. That function to act is gone. Et on vous considère un cadavre. And you are considered like a corpse. On vous considère un mort. You are considered like a death. Amen, 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 amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est lui qui anime. The one that is giving. L'animateur, c'est l'esprit. The animation. The animator is the spirit. Amen, amen. Amen, amen. C'est lui qui donne l'intelligence. He's the one that gives the understanding. La compréhension. The understanding. C'est lui qui apprend. He's the one that c'est lui qui comprend. He's the one that understands. Une fois que ton esprit comprend quelque chose, your spirit must understand something. C'est là que viennent les actions. That's where comes actions. Amen. Amen. Et l'esprit de l'homme, and the spirit of nous sommes man, dans Proverbe 18, verset 14, we are in Proverbs l'esprit 18, de l'homme le soutient. The spirit of man sustains le corps humain,
the human body ne dépend que de votre esprit. Depend on your spirit. Tout ce que vous faites dans le corps, what you do in the body, toute action qui se manifeste dans la chair, all action that is manifest in the flesh, il provient de l'esprit. Comes from the spirit. Voilà le rôle que joue l'esprit de tout un être humain ce soir. That's the role of a spirit of any human being tonight. Et aussi, c'est toujours dans cet esprit-là. And it's only in that spirit. Quand les réalités invisibles parlent. When the invisible reality calls. Quand Satan parle. When the devil speaks. Votre esprit qui va le saisir. It's your spirit that is gonna quand touch Dieu him. Parle. When God speaks. C'est votre esprit qui va le saisir. It's your spirit that is gonna touch et him. Tout ce que l'esprit saisit. And whatever that the spirit catch. Ça s'exécute. It can be put to work. Ainsi, so, le diable connaissant ces vérités, the devil knowing this truth, connaissant ces réalités, knows this reality, alors il est venu attaquer non pas la chair de l'homme, he came to attack not the flesh, il est venu attaquer he came non to attack pas l'âme de l'homme, not the soul of a man, mais il a attaqué le point principal. He attacked the principal point. Il a attaqué l'esprit humain. He attacked the human spirit. Parce qu'il savait que cet homme avec son esprit, because he knows that with this si man, je this ne descends pas le premier, if I don't come si down the je first, ne tordre pas son esprit, if I don't twist his si spirit, je ne dérange pas son esprit, if I don't disturb his spirit, alors cet homme sera mon chef. Then that man will be my alors chief. Je dois être le premier. He must be the first. Comme il n'a pas l'information, yes, he has no mais information, moi j'ai l'information, me, I've got the que c'est son esprit qui est tellement grand. Is the spirit that is si so j'arrivais if I could à get tordre son esprit, if I could twist his à spirit, déranger l'esprit de l'homme, disturb the spirit of alors the man, il sera mon esclave. Then he will be my slave. Parce que l'esprit, votre esprit, because your spirit est un récepteur. Is a receptor. Il reçoit quoi? You receive what? Les pensées. The thought. Il reçoit quoi? You receive what? Les événements. The event. Des influences. The influences. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Are we together with me? C'est pourquoi Frère Branham dit, that's why Brother Branham dans says, la plus grande bataille jamais livrée, the greatest battle ever fought, il a dit, he says, Satan a commencé par le point principal. Satan started by the principal point. Il a amené l'esprit de l'homme à douter de la parole. He brought the spirit of a man to doubt the word. À croire autre chose. To believe other things. Accepter la fausseté. To accept the wrong things. Pourquoi? Why? Parce qu'il sait que Dieu en because créant l'homme, he knows that God by creating a il man, il a donné la chair à l'homme. He give the flesh to il man. A placé l'esprit dans la chair. He put the spirit il in a the mis l'âme dans cet esprit-là. He put the soul in that spirit. Et quel est le rôle de l'esprit humain? What is the role of the c'est human d'être spirit? L'éclaireur. Is to be the first. L'esprit de l'homme, c'est la lampe de Dieu. The spirit of man is the light of donc God. Votre esprit your spirit vous a été donné was given to pour you éclairer le moi. To enlighten myself. C'est pour éclairer votre cœur profond. It's to enlighten your heart. Parce que dans ce cœur-là, because in that heart, Dieu a placé le monde. God put the world. Dans ce cœur-là, in that heart, Dieu a placé des réalités. God put some reality. Dans ce cœur-là, in that heart, Dieu a placé des merveilles. God put wonders. Dans ce cœur-là, in that heart, Dieu a placé ta destinée. God put your destiny. Dans ce cœur-là, in that heart, Dieu a placé des choses grandioses. God put the great alors, things. Comme Dieu, as God, il vous a donné l'esprit he gave you the spirit, pour que cet esprit-là so that spirit soit la lampe the light qui va éclairer is going to light votre cœur. Your heart. Et là où il y a la lumière, where there is light, il y a la connaissance. There is knowledge. Il y a la vision. There is vision. Mais quand Dieu regarde l'homme aujourd'hui, but when God look at a man il y a today, beaucoup de choses que Dieu a placées en vous. There is so many things that God has placed in you que vous n'avez jamais manifesté. That you have never manifested them. Car ce que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. A man is what
the thought of his heart. Dieu ne vous a pas donné l'esprit pour regarder l'extérieur. God never gave you the spirit to look the outside. Dieu a placé l'esprit en vous. God placed the spirit in you. Pour regarder à l'intérieur. To look the inside. Et le diable est venu. And the Satan came. Il a dérangé votre esprit. He disturbed your spirit. Il a mis un voile. He put a veil. Il a étouffé votre esprit. He twist your spirit. Il a mis la séparation. He put a separation. Ainsi l'homme est devenu incapable. And then a man becomes unable de voir to see les programmes de Dieu pour sa vie. The program of God for his life. Votre destinée est dans l'obscurité totale. Your destiny is in darkness. Vous commencez à tâtonner. You start murmuring. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Because you don't have knowledge. De la volonté de Dieu pour vous. Of the will of God for you. Oh. Then, c'est dans l'esprit. Is in the spirit. Que je vois. That I see. C'est dans l'esprit. Is in the spirit. Que je comprends. That I understand. C'est dans l'esprit. Is in the spirit. Que j'agis. That I act. Au lieu que vous soyez des hommes spirituels. Instead of being a spiritual le man, diable nous a dépouillés. The devil has disturbed il us. Il nous a rendu des hommes chers. He make us the carnal men. Nous sommes ce que nous sommes présentement à cause de ce que nous voyons. We are what we are now because of what we see. Alors que then, ça ne devait pas être ainsi. It shouldn't be like that. Nous devrons être. We should have been. Nous devrions être. We should have been. Ce que Dieu what God a fixé. Put in us. Et ce que Dieu a fixé. And what God did. Je te dis avec assurance. I'm telling with assurance. Que ce n'est pas au ciel. Is not in heaven. C'est dans ton cœur. Is in your heart. Amen. Amen. Qui peut dire amen ce soir? Who can say amen tonight? Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Do you believe it in your heart? Est-ce que vous le croyez, mes chers amis? Amen, amen. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Glory to God. Dans Genèse chapitre 6. In Genesis chapter 6. Genèse chapitre 6. Genesis chapter 6. Verset 3. Verse 3. Je prends second révisé. I take. Dans la version second révisé. In the version. Il dit ceci. He said this. Alors l'Éternel dit. And the Lord said. Mon esprit. My spirit. Ne restera pas toujours dans l'homme. Shall not always strive with a man. Ça c'est ce que Louis Zegon a dit. Is what he said. Dieu a dit. God said, mon esprit, my spirit, ne restera pas toujours dans l'homme. We will never stay in a man. Et quand vous lisez ça comme ça, and when you read that like that, il y a des éléments qui vous échapperont. There is something that is, mais si nous les prenons comme ceci, if we don't take like this, qu'est-ce que cela veut dire? What that means? Et l'autre traducteur lui dira, and their translator says, désormais, from today. Amen, amen. Amen, amen. Désormais, from today, Dieu déclare God says, que l'homme ne pourra pas indéfiniment profiter du souffle de vie. God cannot profit from his breath of life. C'est-à-dire, éternellement, eternally, l'homme ne pourra pas profiter a man cannot profit du souffle de vie de Dieu. From the breath of the c'est life pourquoi of God. Il est dit. He said, mon esprit my spirit ne restera pas toujours dans l'homme. Will never remain in a man. L'homme sans l'esprit supérieur. A man without a superior spirit. Qui vient de quelque part. That comes from somewhere. Et qui s'associe à son esprit. And that associates to his spirit. Il est faible. Is weak. Il est faible, mes amis. Is weak. Il ne peut rien faire sans le secours de quelque part. He cannot do without help maintenant, from Dieu somewhere. Vient de jurer. Il a dit, and when God swore, à cause said, du choix que vous avez fait, because of the choice that lorsque you have done, Adam a choisi, when Adam chose, il a choisi de consommer l'arbre de la connaissance, he chose to eat the tree of knowledge, et dès qu'il a consommé cet arbre-là, and when he eats that tree, il a perdu la communion.
He lost the communion. Il a perdu la relation. He lost the relation. Les relations avec qui? Relation with who? Avec Dieu. With God. La communion avec qui? The communion with avec who? Avec le Saint-Esprit. With the Holy Spirit. L'homme a perdu la communion avec le Saint-Esprit. The man lost the communion with the Holy Spirit. Et dès qu'il y a séparation, and when there is separation, voilà, l'homme a fait son choix. Man has made désormais, à partir de ce moment-là, from that time, l'homme, au lieu de dépendre de Dieu, instead of depending au on lieu God, de prendre de la grande connaissance, instead of depending la on the connaissance knowledge, parfaite, the perfect knowledge, l'homme devient esclave the man becomes the slave d'une création. Of a creation, d'une créature. Of a creature. Parce que Lucifer a été créé. Because Satan was created. Est-ce que vous le voyez ensemble avec moi? Do you see it together with me? Ok, évoluons. Let us carry on. C'est pourquoi il est dit, that's why he says, mon esprit, my spirit, ne restera pas toujours dans l'homme, shall not always strive with men, car l'homme n'est que chair. For that he also is flesh. L'homme n'est plus spirituel. A man is not spiritual. L'homme n'est que chair. A man is just carnal. Quand on dit l'homme n'est que chair, when we say a man is just flesh, cela ne veut pas dire que l'homme, that does not mean that man, ne marchera plus, cannot walk. Cela ne veut pas dire que l'homme ne bougera plus. That doesn't mean that a man non. cannot move. La supériorité, l'esprit supérieur, the superior spirit, qui l'influençait, that was influencing a cessé de l'influencer. Stop from influencing him. L'homme est resté qu'avec son esprit. A man remains with his spirit. Charnel. Carnal. En d'autres termes, in other words, l'homme devient mortel. A man become mortal. Est-ce que nous nous comprenons? Do you understand? L'homme devient charnel. A man become carnal. Il devient mortel. He become mortal. Il devient une créature temporaire. He become a temporal creature. Il devient quelqu'un qui peut vivre dans le temps. He becomes someone that can live in time. Alors le but de Dieu, the purpose ce n'était of God, pas que tu sois temporel. It was not just to become temporal. C'était pour que toi tu vives éternellement. It was so that you can live mais eternally. Maintenant, à partir de votre choix, from your choice, c'est-à-dire le choix d'Adam, it means the choice cela of Adam, a fait qu'au lieu que l'homme devienne spirituel, il est resté charnel, he remained carnal, mais avec son esprit. But with his spirit. Qui peut dire amen à la parole? Who can say amen to the word? Et quel est l'état de cet esprit? And what is the state of that spirit? L'esprit obstrué. The spirit that is blocked. L'esprit bloqué. The spirit that is obstruct. L'esprit fermé. The spirit that is shut. L'esprit voilé. The spirit that is veiled. La lampe s'est éteinte. The light was shut off. L'homme n'a plus la connaissance. A man has no longer knowledge. Du monde qui se trouve en lui. The world that is within himself. L'homme commence à se débrouiller. Man starts doing his own job. Comme ses yeux extérieurs sont limités. As his outside eyes. Ainsi la vie de l'homme devient limitée. Then the life of man become as God limitation. Il n'y a plus de situations qui peuvent demeurer. There's nothing that can stay. Tout n'est que pour un laps de temps. Everything is just for a short of time. Parce que l'homme a choisi de vivre par ce qu'il voit. Because a man choose to live by what he sees. Alors que Dieu ne l'avait pas créé pour dépendre de sa vie. But God that did not create him to depend for his life. Mais il avait créé pour qu'il dépende de sa foi. But he created him to depend for his faith. Alors l'homme a abandonné la foi and pour la vie. Forsake his faith for the life. Voilà, l'esprit de l'homme a connu pas mal de difficultés. That's the spirit of man knows so c'est many pourquoi difficulties. Jusqu'à ce soir, that's why until tonight, il est très difficile de rendre cet homme spirituel. To make that man spiritual. Parce qu'il a duré dans l'obscurité. Because he took so long in darkness. Et quand on dure dans l'obscurité, and when you take so long on in darkness, s'habitue, you get used. On devient ami des ténèbres. You become
French on devient nous-mêmes obscurs. We become ourselves dark. Mais quand Dieu regarde dans ces ténèbres, but when God look in that il darkness, y a quand même des petites lumières qui vont jaillir. There is some light there. Et je crois de tout mon cœur que tu my es du nombre de ces petites lumières that qui vont jaillir. Part of the people that is going to light. Et s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ce soir, can you say Amen tonight? Et s'il y a quelqu'un qui peut dire Amen ce soir, is there anyone that can say Amen tonight? Oh, gloire soit rendue à l'Éternel Dieu. Glory be to God. Mon esprit est tordu. My spirit is twisted. Mon esprit est obstrué. My spirit is obstruct. Mon esprit est voilé. My spirit is veiled. Et l'esprit, and the spirit, c'est le canal, is the channel, par lequel, through which, Dieu peut me parler. God can speak to me. Non, pas Dieu peut me parler, mais par lequel Dieu me parle. Not God can, but through which God can speak l'esprit to me. Humain. The human spirit, c'est le canal, is a channel qui regarde au-delà du rideau du temps, that look beyond the curtain of time, à partir de son cœur, from his heart, et and il saisit, and he catch la volonté dans le temps, the will in the time, de Dieu pour sa propre vie, of God for his own life. C'est ça le grand problème. That's the great problem. Amen. Amen. Vous pouvez dire amen à la parole. You can say amen to the word. Vous pouvez prier. You can pray. Mais si vous ne connaissez pas ces choses, but if you don't know these things, vous ne comprendrez pas les réalités spirituelles. You will never understand the spiritual reality. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons des croyants aujourd'hui. Ils that viennent à l'église. We have believers today. They come ils to church. Ils sont charnels. They are carnal. Ils sortent de l'église charnel. They come out from the church carnal. Ils sont venus charnel. They come carnal. Et ils repartent charnel. And they go back carnal. Mais avec la théologie. But with theology. Lisons frère Branham. Let us read brother Branham. Dans la prédication. In the preachings. L'harmonie de l'unité. The harmony of eternity. L'harmonie de l'unité, prêchée le 28 janvier 1958. The harmony of unity. Paragraphe 60. Quotation 60. Amen. Amen. Je prends juste une partie I just de take ce paragraphe. One part, just l'harmonie de l'unité. The harmony of unity. Paragraphe 60. Quotation 60. Du 28 janvier 1958. Écoutons les paroles du prophète. Let us listen the words of the prophet. Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur terre pour motiver l'église. God sent the Spirit, the Holy Spirit on the earth to motivate the church. Je répète. I repeat. Dieu, God, envoyant tous, by seeing all these things, dit, sans l'esprit he de said, Dieu, without the spirit of God, l'homme sera toujours cadavre. A man will be always death. Alors Dieu envoie le Saint-Esprit, God sent the Holy Spirit sur terre, on the earth, pour motiver l'église, to motivate the church. Est-ce que nous y sommes? Are we there? Trouvez-moi la partie là-bas. Let us get that part. Il dit, il a envoyé he said, son esprit sur terre he sent his spirit on the pour earth motiver l'église. To motivate the church. Et vous pouvez être rempli de pensées. And you can be filled up with thought. Vous pouvez être rempli de la théologie. You can be filled up with the theology. Et vous pouvez être rempli de l'instruction. And you can be filled up with instructions. Être un monsieur, je sais tout. Be a man that knows everything. Vous pouvez être rempli de la religion. You can be filled up with religions. Mais néanmoins, but être une cible du diable. But being a target of the devil. Tu es rempli de l'instruction. You are filled of instruction. Tu es rempli de pensées. You are filled up with thoughts. Tu es rempli de la théologie. You are filled up with theology. Tu es rempli de la religion. You are filled up with religion. Parce que les hommes, ils manquent l'essentiel. Because the man lack the essential. Il a certaines pensées. When he's got some thoughts. Il pense qu'il est arrivé. He believes that he get there. Non, monsieur, non, madame. No, oui, man. Tu es fait pour être rempli. Yes, you are made to fill up. Le réservoir, le récipient. The le vase,
The vessel, le vase, the vessel, c'est votre esprit. Is your spirit. Votre esprit est fait de façon d'être rempli. Your spirit is met so that it can be filled. C'est-à-dire, on doit verser certaines choses. It means they must put something on there. Doit verser la parole they dans must votre esprit. Put the word in your spirit. On doit verser les pensées dans votre they esprit. Must put the thought tu in your spirit. Peux même être rempli de pensées. You can even fill up with tu the peux thought. Être rempli de la religion. You can even fill up with the et religion. Tu penses que tu es arrivé. And you think that you get ce there. N'est pas ça l'essentiel, it's monsieur. Not that's the essential. Tu seras néanmoins you be la cible du diable. The target of the devil. Est-ce que c'est la vérité, mes chers amis? Is it the truth, c'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des grands hommes s'écrouler. That is why we see today the great men les grands falling. Hommes être frappés par the le diable. Great men being eaten by pourquoi? The devil. Why? Parce qu'ils ne savent pas ce qui est essentiel. They don't know what is the essential. Est-ce que nous sommes ensemble, mes chers are amis? We together, brother? C'est pour cela ce soir. Tonight, quand vous découvrez ces choses, when you discover these commencez things, à chercher l'essentiel. You must start looking for the essential pour votre vie. For your life. C'est un travail. It's a work. Qui veut dire amen à la parole? Who can say amen to the word? Amen. 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 Frère Branham dit. Brother Branham says. Le diable ne te relâchera jamais. The devil will never leave you. Mais écoutez la différence. But listen the difference. Quand vous êtes rempli de la parole. When you are filled with the word. Rempli de la parole. Fill up with the word. Quand vous êtes rempli de la parole, when you are filled up with the word, la parole elle-même, the word itself, vaincra le diable, will overcome the devil. Quoi que vous soyez la cible de Satan, despite that you are a target of mais the devil, la parole fera le travail. But the word will do the work. La parole elle-même, the word itself, changera, will change votre esprit, your spirit. Qui peut dire amen à la who can say amen to the word? Alors, nous comprenons ce matin we understand et ce soir que tous that all notre of us, esprit our spirit est étroit. Is straight. C'est pourquoi il ne se plaît pas de Dieu. That is why is il ne se plaît pas de Dieu. He doesn't please to God. Mais il aime la religion. But he like religion. Amen. Amen. Il aime la religion. He like religion. Arrêtez de faire la religion. Stop doing religion. Arrêtons la religion. Stop religion. Il y a des réalités qui se trouvent en vous. There is the reality that is in you. Que vous devez saisir. That you must catch. Amen. Amen. Vous savez, je ne vais pas trop m'exciter. See, I don't want to be excited. Parce que ça, construire les individus. Because that is to build up individuals. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci. Brother Branham said this. Dans la même prédication. We are in the same preachings. Les paragraphes se diffèrent en anglais, je pense. Alors, nous sommes au paragraphe 55. We are peut-être 55 là-bas, je ne sais pas. Frère Branham dit ceci. Brother Branham said this. Vous êtes motivé par un esprit. You are being motivated by a spirit. Amen pour cela. Amen for that. Toi. You. Tu es motivé par un esprit. You are being motivated by a spirit. Tu es parti de chez toi. You come to jusqu'ici. You left your place to here. C'est ton esprit. It's your spirit. Il y a d'autres qui sont à la maison. There is others that they sans are raison home, quelconque. Without any reason. Leur esprit. Their spirit. Les a gardés à la maison. Kept them at home. Mais toi. But you. Ton esprit. Your spirit. T'a motivé. Motivated you. T'a poussé. It pushed you. De venir ici. To come here. C'est pourquoi il dit. That is why he says. Vous êtes motivé. You are motivated. Par un esprit. By a spirit. Si vous n'avez pas d'esprit. If you don't have a spirit. Vous êtes mort. You are a member. Et si vous avez un esprit. And if you have a spirit. Il motive votre vie. It motivates your life.
Qui peut dire amen à la parole? Who can say amen to the word? Qui peut dire alléluia? Who can say alléluia? Jésus a dit dans Jean chapitre 6, Jesus said in, au verset 63, he said, Jésus a dit ceci Jesus said, dans Jean 6, in John 6, au verset 63, verse 63, c'est l'Esprit qui donne la vie. Is the Spirit that gives life. C'est l'Esprit qui vivifie. Is the Spirit that gives life. C'est pourquoi quand le corps est faible, that is why when the body is si weak, l'Esprit if the Spirit croit la parole, believe the word, c'est l'essentiel. Is the essential. La maladie fuira. Sickness will flee. Amen, Église. Amen, Church. Quand tu n'as rien, if you have nothing, et que l'Esprit saisit la parole, then the Spirit catch que ton the esprit saisit la promesse. Your spirit catch the promise. Amen, amen, amen. Amen, amen. Que ton esprit saisit une promesse qui dit, your spirit that catch a promise that je says, n'ai jamais vu un juste abandonné. I've never seen a just forsaken. Ni mendier son pain. Or to et beg dès que ton esprit saisit cette parole-là, when the spirit catch something, si le corps est faible de n'importe quelle manière, even if your body is weak, vous verrez que la réalité, you see the reality, se créera tout autour de vous, will create around you, dans la bonne direction, in a good direction, et ça sera positif pour votre and vie. It will be positive for your life. Qui peut dire amen à la parole? Who can say amen to the parce word? Que le proverbe dit, the proverb says, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. The spirit of man sustain him in sickness. C'est pourquoi quand le corps est malade, that's why when the body is sick, et que l'esprit and then the spirit est debout, is stand il up, est avec la promesse, is with this promise, ce corps trouvera la guérison. That body will get healed. Qui peut dire amen à la parole? Who can say amen to donc the il word? Est très important it's ce soir very important tonight de travailler sur notre esprit. To work on our spirit. De savoir que la partie centrale, partie principale de notre vie, principal part of our life, c'est notre esprit. Is our spirit. Qui peut dire amen à la parole? Who can say amen to the word? Parce que c'est l'esprit qui nous motive. Because it's the spirit that is motivate us. Et lui aussi pour motiver. And him also to motivate. Il dépend. It depends. Des influences. From the influences. Amen. 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 Est-ce que c'est merveilleux? Is it marvelous? Est-ce que c'est glorieux ce soir? Is it glorious tonight? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, in 1 Corinthians chapter 15, verset 45. Verse 45. L'apôtre Paul dit ceci. The apostle Paul says this. L'Écriture déclare-t-elle pas? The scripture does not say. Le premier homme Adam, the first man Adam, devint un être vivant. Was a living man. Doué de la vie naturelle. He was intelligent with a natural life. Adam. Adam. Il est un être vivant. He's a living being. Doué de la vie naturelle. He was having intelligent with a natural life. De la vie naturelle. With a natural life. Parce que nous avons deux formes de vie. Because we have two forms of life. Nous avons la vie. We have life. Et nous avons la vie éternelle. And we have the eternal life. Mais Adam. But Adam, par son choix, because of his choice, il est devenu, he has become, vivant, living, doué de la vie naturelle, with the natural life, sans la vie éternelle, without the eternal life, sans la vie spirituelle, without the spiritual life, à cause de sa décision, because of his choice. Donc tout dépend de votre décision. Because everything depends on your decision. Et tout dépend de votre choix. And depends on your choice. Même ce soir, even if tonight, nous sommes face à ce choix-là. We are facing that choice. Vous avez devant vous la vie. We are before you life. Et vous avez devant vous la mort. And you are before you death. Choisis. You must choose. Ce que tu voudras. What you want. Dans le choix d'Adam. In the choice of Adam. Au lieu de choisir la vie. Instead of choosing il life, a choisi la vie mortelle. He chose the mortal life. Et la vie mortelle, and mortal life, c'est un esprit tordu, it is un esprit twisted dérangé. Spirit. It is a disturbed spirit. Oh, ça c'est merveilleux, mes chers amis. This is marvelous, my friend. Mais le dernier Adam, but the last Adam, est devenu lui, has become him, un être qui est animé par l'esprit, communique la vie. Is quickened by the spirit amongst life. C'est-à-dire, it means, il est devenu un esprit vivifiant. He has become a quickened spirit.
Mais le premier Adam, the first Adam, lui, il est devenu une âme vivante. A living un soul. Être vivant tout court. A human being. C'est-à-dire qu'il y a la vie naturelle. It means that there's a natural life. Mais le dernier Adam, but the last Adam, qui est le dernier Adam, who's the last c'est Adam, le Seigneur Jésus-Christ. Is the Lord Jesus Christ. Quand lui vient, when he come, il n'est pas devenu une âme vivante. He's not a soul, mais il est devenu but he has become un esprit vivifiant. A quickened spirit. Donc, le dernier Adam, c'est un homme spirituel. The last Adam is a spiritual man. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit cela ce soir? Is anyone that did that Adam n'était pas un homme spirituel. Adam was not a spiritual man. Le premier Adam n'était pas un homme spirituel. The first Adam was not a spiritual man. À cause de son choix. Because of his choice. Mais le dernier Adam, but the last Adam, il est un homme spirituel. Is a spiritual man. Et pourquoi c'est un homme spirituel? And why is a spiritual man? Pour annoncer une autre création. That's to announce another pour creation. Introduire une nouvelle création. To introduce another creation. Pour introduire un nouveau monde. To introduce another world. Pour appeler d'autres fils. Adassan, qui avant la fondation du monde, from the beginning of Dieu the world, les avait déjà prédestinés God predestined à être semblables to be like, à l'homme spirituel. To be like a spiritual et qui man. Est cet homme spirituel? And who is that spiritual man? C'est le Seigneur Jésus-Christ. The Lord Jesus Christ. Et nous voulons voir ces hommes-là ce soir. And we want to see those nous voulons men voir tonight. Ces femmes-là ce soir we want to see those women qui sont des hommes spirituels, spiritual qui men, sont des femmes spirituelles, women spiritual, qui saisissent le langage de l'esprit. Can catch the c'est à ces hommes-là, language. C'est à ces femmes-là to those men qui comprendront that will understand le monde que Dieu a placé en eux. The world that God put in them. Et ils saisiront l'œuvre de Dieu. And they will catch the works of God. Merci Seigneur. Thanks God. Voudriez-vous devenir ces hommes-là? Would you like to become those men? Qui voudrait devenir cette femme-là? Who would like to become qui that voudrait woman? Devenir cet homme-là? Who would like to become moi, that je man? Voudrais devenir. Me, I would like to become. Et telle est sa volonté. And to live his will. Écoutez ceci, mes chers amis. Listen to this, brothers. C'est l'esprit is the spirit qui donne la vie. That gives life. Quel esprit qui donne la vie? Which spirit gives life? L'esprit de Dieu. Is the spirit of God? Donne la vie à votre esprit. Gives life to your spirit. Et votre esprit. And your spirit. Donne la vie au corps. Gives life to the body. Voilà le chemin. Yes, the program. Donc votre esprit. Your spirit. C'est un récepteur. Is a receiver. C'est juste un récepteur. It's just a receiver. Et l'émetteur. And is the satellite. Il reçoit. He receive. Et il émet ce qu'il reçoit. And he broadcast what he receives. C'est merveilleux, mes chers. It's marvelous, brothers. C'est glorieux parce qu'il y aura. It's glorious. Mais je sais pas toi. Because there will be. Qui peut dire amen ce soir? Who can say amen tonight? Qui peut dire gloire à Dieu ce soir? Who can say glory to God tonight? Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Pourquoi? Why? Notre choix. Our choice. Détermine. Determine. Ce que nous voulons de nous. What we want of us. C'est pourquoi. That is why. Lisons Romains chapitre 12. Let us read Romans chapter 12. Romains chapitre 12. Romans chapter 12. Paul dit ceci aux Romains. Paul said this to the Romans. Amen. Amen. Je vous exhorte, frère. I beseech you, therefore, brethren, à cause de cette immense bonté de Dieu, by the mercies of God, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, that he present your body saint a living sacrifice, qui plaise à Dieu, holy, acceptable unto God. Ça sera là de votre part un culte which spirituel. Is your reasonable service. Un culte spirituel. A reasonable service. Au verset 2. From verse 2. Ne vous laissez pas modeler. And be not conformed. Amen. Amen. Ne te laisse pas modeler. And be not conformed. Alléluia. Alléluia. Par quoi? To what? Par le monde actuel. To the present world. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Be not conformed to this world. Ne vous conformez pas au siècle présent. Be not conformed to this world.
refuser ça à partir de ce soir. Refuse that from tonight. Je refuse d'être à la mode du monde. I refuse to be to the fashion. Je refuse of the de world. Marcher selon les traits économiques de ce temps. I refuse to walk. Je refuse to the de marcher selon les traits scientifiques de ce moment. To walk according to the scientific fashion. J'ai simplement le désir. I've got only et the quel desire. Est le désir de mon cœur? What is the desire of my la Bible heart? Dit. The Bible says, soyez transformés. And be transformed par le renouvellement by the renewal de quoi? Of what? De votre intelligence. Of your mind. Alléluia. Alléluia. Dieu vous demande le renouvellement. God wants you to renew. Dieu demande que chacun désire ce renouvellement. God wants everyone to et il n'a renew. Pas demandé la transformation de votre corps. He didn't non. Ask the transformation of your quand body. Paul parle ici, when Paul say il here, demande la transformation. He wants the transformation. Voyez-vous, de votre you see, esprit. Of your mind. Soyez transformé par le renouvellement de votre esprit. Be transformed by the renewing of your mind. Soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence. Be transformed by the renewing of soyez your mind. Soyez transformé par le renouvellement de votre pensée. Be transformed by the renewing of your mind. Parce que c'est la source. Because that's the source. De la restauration. Of the restoration. C'est par là que la restauration commencera. It's from there that the restoration si starts. Votre esprit n'est pas renouvelé. If your spirit is not si renewed. Si votre esprit n'est pas transformé. If your spirit is not il transformed. Il n'y aura aucun changement sur la there chair. There will be no change on your body. Alors ne cherchez pas à faire des efforts. Don't seek to do some à ne pas effort. Faire ceci, à ne pas faire cela. Do not do this or cherchez that. Le renouvellement. De seek, votre esprit, mes chers frères. Seek to renew parce your que mind, c'est l'esprit qui vous motive. Is the spirit that motivates c'est l'esprit you. Qui vous pousse d'agir. Is the spirit that push you to si act. Mon esprit est renouvelé, if my spirit si is ton renewed, esprit sera renouvelé, if your spirit will be renewed, tu seras alors selon le modèle de Christ. You will be then according to the pattern of the Lord. Et ça doit être une soif. And it has to be a taste. Ça doit être un désir. It has to be a desire. Amen. 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 C'est merveilleux, n'est-ce pas? It's marvelous, isn't it? Faites le choix. Make a choice. Faites le choix, mon frère. Make a choice, my brother. Parce que tous, depuis Adam. Because all of us from tous Adam. Tous ceux qui sont venus d'Adam. Those that came from du Adam. Premier Adam. From the first Adam. Seront frappés par le temps. They will be eaten by the time. Leur esprit est tordu. And their spirit is twisted. Même un bébé. Even a baby. Son esprit est tordu. His spirit is twisted. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. It's not the spirit of God. C'est l'esprit humain. It's the human spirit. Et cet esprit est déjà tordu. And that spirit is already c'est twisted. Pourquoi vous pouvez voir cet enfant pendant qu'il crie. And that is why when you see la that baby when he's crying, de la colère. The manifestation and the parce anger. Que l'ADN, because the l'information. The DNA, the information dans son esprit in his spirit vient de très loin. Come from afar. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Are we together with me? Alors tous ceux qui and sont sortis de la femme those that came from a woman sont sans cesse agités. They are always agitated. Sans exception. Without exception. Si vous êtes né de la femme, any man that's born from vous a woman, serez toujours agité par les esprits. Always agitated le monde by the va spirit. T'agiter, mon frère. The world is going to push tu you. Tu seras toujours agité. You'll be always agitated. Personne ne peut échapper aux agitations. No one can escape from parce agitation. Parce que nous sommes sortis de la femme. Because we came from a woman. Mais gloire à Dieu. But glory to God. Parce que Dieu a tracé une voie. God put et quelle a est way. La voie qu'il a tracée? What is the way that he il put? A amené un second Adam. He put a, he brought lui, a second au lieu Adam, de contourner le spirituel, instead of bypass lui, the spiritual, au lieu de contourner la théophanie, he knows how to bypass lui, the au lieu de contourner la parole parlée, he knows how to bypass lui, the au lieu de contourner word, le corps parole, he knows how to bypass il n'a jamais contourné le corps parole. He never bypassed mais the il the est passé word, de la tribu. But he passed from the de tribute, la pensée, the thought, il est devenu, he was come, alléluia, la parole, the word, et de la parole, the word, il est devenu chair, he became flesh. C'est pourquoi il est la parole fait chair. That's why is the word la made parole flesh. Est venue parmi nous, mes amis. The word comes among maintenant, us. Celui qui reçoit cette parole, and the
the one that received that word, la parole que vous recevez, the word that you receive, commence la transformation dans votre esprit. The transformation c'est in pourquoi your spirit. Il est écrit dans les Saintes Écritures. That's why it's written in the il Holy est venu Spirit, chez les siens, he came to et les siens his ne l'ont brother, pas reçu. And his brother mais à tous ceux qui l'ont reçu, to those that receive à ceux qui ont reçu la parole, to those that receive the la word, parole leur a donné le pouvoir the word give them the de power devenir. To become ils n'étaient plus des enfants de Dieu. They were no longer the, mais quand ils reçoivent la parole but de Dieu, they receive the word of ils God, deviennent des enfants de they Dieu. Become the children of de God. Devenir les enfants de and Dieu, to become the children lesquels of God, sont nés that they were ni born, de la volonté de l'homme, not of the will of ni man, de la volonté de la chair, neither the will of the flesh, mais de la volonté de Dieu but lui-même. But the will of God himself. Alléluia. Alléluia. Vous êtes nés. You are born. Votre esprit est né. Your spirit is born. Votre esprit est né d'en haut maintenant. Your spirit is born from mais above. Vous devez attendre la maturité, mon ami. And you must wait for the maturity. Pour devenir un homme spirituel. To become a spiritual man. Pour devenir une femme spirituelle. To become a woman spiritual. Et c'est pourquoi Paul dit. That's why Paul says. Soyez transformés. Be transformed. La transformation. Transformation. Concerne votre esprit. Concerne your spirit. Mon ami dit la métamorphose. The change. La métamorphose. The change. C'est votre esprit qui doit être métamorphosé. Is your spirit that must be changed? Est-ce que c'est possible? Is it possible? Tout est possible. Everything is possible. À celui qui croit. To the one that believes. J'ai dit encore ce soir. I say again tonight. Tout est possible à celui qui croit. Everything is possible to si one that believes. Si tu crois de tout ton cœur. If you believe with all your heart. Quelque chose va tomber dans ton esprit ce soir. Something is going to fall in your heart la tonight. La parole de Dieu tombera dans ton esprit ce soir. The word will fall in your heart tonight. Cela va démanteler. That was going to break. Les anciennes informations. The old information. Qui contrôle ta vie. That controls your life. Nous voulons dire à Satan ce soir. See, you're going to see to Satan tonight. Je viens d'entendre la bonne nouvelle. I've heard the good news. Satan, c'est fini avec toi. Satan is finished with you. Sortez de ma vie, Satan. Come out from my prends life, tes bagages, Satan. Take your stuff, Satan. Oh, tu dois être déraciné de mon esprit ce soir. You must be taken out tonight. Alléluia. Alléluia. Je décide de prendre la parole de I Dieu. I decide to take the de word of God. De recevoir la parole to de Dieu. To receive the word of God. Et quand cette parole and when that word tombe dans mon esprit, fall in my spirit, mon esprit sera régénéré. My spirit will be renewed. Par la parole de l'heure. By the word of the hour. C'est ça le mystère de la rédemption. That's the mystery of redemption. C'est ça le mystère de la rédemption, mon frère. That's the mystery of redemption. Quand mon esprit est transformé, when my spirit is transformed, mon corps obéira. My body will obey. Ma langue obéira. My tongue will obey. C'est pourquoi Jésus a dit. That's what Jesus said. C'est l'abondance du cœur. It's the abundance of the heart. Que la bouche parle. That the mouth speak. Vous parlez mal. You speak bad. Parce que les paroles qui sont en vous. Because the word that is ce sont in les you, paroles ancestraux. Those are the word that is, ce sont that les paroles are, de votre famille. These are the words of your family. Ce sont les paroles de la société. These are the words of the, ce sont the les society. Paroles de l'environnement. Those are the words of the environment. Mais si vous remplissez votre cœur when you fill up your de la vraie parole de Dieu, the true word of God, de la vraie parole de the Dieu, true word of God, cette parole dominera les autres paroles. Those words will dominate les noirs the deviennent blanc. The black will become white. Le noir deviendra blanc. The darkness will become white. Alléluia. Alléluia. Tu parleras un langage pur. You are going to speak a true language. Et tes paroles deviendront les paroles de Dieu. And your words will become the words of God. Qui peut dire amen à la parole? Who can say amen to the word? Qui peut dire gloire à Dieu ce Who soir? Can say glory to God tonight? J'ai besoin que mon esprit soit renouvelé. I want my spirit to be renewed. C'est la réalité, mes amis. Is the reality, my brother. Si ça ne marche pas jusque-là, if it doesn't work until now, nous ne travaillons pas. We don't work. Frère ajoute. Brother Branham adds. Nous sommes dans que ferais-je de Jésus appelé Christ? What will I do of Jesus called Jesus? Prêché le 24 novembre 1963. 1963. Paragraphe 42. Quotation 44. 42. Deuxième partie de ce paragraphe. Second part of that quotation. Frère Branham dit ceci. Frère Branham said this. Rien ne peut arriver sans qu'il y ait quelque chose derrière qui fasse que ça arrive. Nothing can happen without something behind that make that thing to happen. Je répète encore. I repeat again. Rien. Nothing. Ne peut arriver. Can happen.
Amen. Amen. Sans qu'il y ait quelque chose derrière qui fasse Without que ça arrive something behind ainsi. That make that thing to happen. Voyez ce que vous avez vécu dans votre vie. You see what you lived in your life. Il y a quelque chose derrière. There is something behind. Même la maladie. Even sickness. Il y a quelque chose derrière. There is something behind. Même la joie. Even if il y a joy, quelque chose derrière. There is something behind. Rien. Nothing ne peut arriver can happen sans qu'il y ait quelque chose without something qui soit derrière that is behind pour faire que ça arrive ainsi. To make that to happen. Qui peut dire alléluia? Who can say alléluia? Maintenant, qui est le maître de vos actions? But who is the master of your actions? Qui est le maître de vos actes? Who is your master of your actions? Qui est le responsable de tes actions? Who is the responsible of your action? Parce que tout ce qui nous arrive, because all that happened to us, c'est poussé par quelque chose. It's pushed by something. Et qui reçoit? And who receives? Mon esprit. My spirit. Qui comprend? Who understands? Mon esprit. My spirit. Qui agit? Who act? Mon esprit. My spirit. Qui me pousse? Who push me? Mon esprit. My spirit. C'est pourquoi that is Adam, why Adam, Eve est tombé, was fallen, premièrement, firstly, dans l'esprit, in spirit. Qui peut dire amen? Who can say amen? Le corps suit après. The body follow after. Vous savez échouer pourquoi? Why did vous you fail? Vous luttez dans la chair. Because you strive in the body. Vous faites tout dans la chair. You do everything in the body. Alors que la parole vient de nous dire. Then the word tell us, pour faire quelque chose, for you to do something, vous devez entrer en esprit. You must get in the spirit. On vient à l'église, charnel. We come to church, canal. On écoute la parole, charnel. We listen to the word, canal. On chante, charnel. We sing, canal. On dort, charnel. We sleep, canal. On prie, charnel. We pray, canal. On revient encore le lendemain, charnel. We come again tomorrow, canal. Tout est charnel. Everything is canal. Ça ne marchera pas. And it will never work. Ça ne marchera pas, mon frère. It will never work, my brother. Ça ne marchera pas, ma sœur. It will never work, my sister. Si tu veux que ça change, if you want it to be changed, comprenez les principes de Dieu. You must understand the principles of God. Vous venez ici pour apprendre. You come ici to learn. Pour devenir des maîtres. To become the masters. Et avec ça, tu deviendras with maître. This, you become the master. Tu seras conscient. You will be conscious. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que vous savez pourquoi? Do you know why? Un flot appelle un autre flot. A problem can call another problem. Un flot appelle un autre flot. A problem call another problem. La profondeur appelle une autre profondeur. The deep call to the deep. S'il n'y a pas de profondeur en toi. If there's no deep in you. C'est impossible d'appeler une autre profondeur. It's impossible to call another deep. Mais pour appeler l'autre profondeur. To call another deep. Tu dépends de la profondeur qui est en toi. You depend on the deep that is in you. Mais qui te permettra who's going to allow you d'appeler l'autre profondeur? To call that deep. C'est lorsque la lampe is when the light de ta vie est allumée. Of your life is lightened. Dès que la lampe de ta vie est allumée. When the light of your tout your ton life corps is sera lightened. Dans la lumière. Your entire body tout ton will be corps sera éclairé. Your entire body will tout be lightened. Ta vie sera éclairée, mon your frère. Your entire life will be lightened. Alléluia. Alléluia. Tous les aspects de ta vie. All the aspects of your qui life sont dans l'obscurité. That is lorsque la lumière de ta vie est allumée. When the light of your life ces is aspects lightened, seront éclairés. Those aspects will be lightened. Tu connaîtras. You will know que tu as ça. That you have this. Et dès que l'esprit voit ça, and when the spirit sees that, il réclame. Is going to claim it. La profondeur, the deep, appelant, is calling, une autre profondeur, another deep. C'est pas une déclaration, mes amis. It's not a declaration. C'est ton esprit, is your spirit, qui comprend, that understands, ce qui est en toi, what is in you, éclairé, being lightened, et quand le Saint-Esprit vient, and when the Holy Spirit le comes, Saint-Esprit lui connaît the Spirit him knows les profondeurs de Dieu, the deep of God. Amen. Amen. Le Saint-Esprit connaît les profondeurs de Dieu. The Holy Spirit knows the parce deep of Paul God. Dit, because Paul says, ils sont de même la pensée de he Dieu. Even search the thought of les a man. Les profondeurs de Dieu. The deep of God. C'est le Saint-Esprit. Is the Holy Spirit. Maintenant, si ton
ta lampe, but if your lamp, ton esprit est renouvelé, your spirit is renewed, ta lampe est allumée, your lamp is light, tu connaîtras aussi, you will also know, le programme de Dieu, the program of God, et ça sera des profondeurs, and it will be too deep, qui s'attire, that is going to attract each other, qui peut dire amen, who can say amen, qui peut dire gloire à Dieu, who can say glory to God. J'aimerais vous dire ce soir, I would like to say tonight, que en vertu de la prophétie du temps de la fin, according to the prophecy of the cette prophétie qui déclare que vers le soir la lumière paraîtra, je le déclare ce soir dans ce tabernacle visible, il y a ici un homme qui peut allumer vos âmes, il y a ici un homme qui peut allumer vos esprits ce soir, je le déclare sous l'onction du Saint-Esprit, il y a dans ce bâtiment un homme qui peut allumer votre esprit, que la lampe de ta vie soit allumée aujourd'hui, et que ton esprit and your spirit éclaire ton corps, give the light to your body, que tu ne t'attones plus jamais, and you must not, c'est pourquoi Jésus-Christ, that's why Jesus, ne t'attonnait jamais. J'ai envie de courir dans ce bâtiment ce soir, I would like to run in this building tonight, mais je contrôle. But I control. Ça me rend religieux. It makes me religious. Ça me donne de la joie. It, ça me donne de l'assurance, mes chers it frères. It gives me the assurance. De savoir que dans cette salle ce soir, that in this building il y a tonight, quelqu'un qui peut allumer nos lampes. There is someone that can light our lamp. Frère, brother, même le départ dépend de la lampe. Even the departure depends of the lamp. Ce qui a fait que les cinq étaient sages, what make the five c'est parce were qu'ils avaient de l'huile dans leur lampe. It's because they had the oil in their oh, lamp. La lampe, c'est l'esprit. The lamp is the spirit. Alléluia. Alléluia. Si ton esprit n'est pas allumé, if your spirit is not lighted, même le départ n'est pas possible pour toi. Even the departure is not possible le départ for pour les supérieurs, c'est impossible the pour toi. The departure is not possible for cherchez you. À allumer votre lampe. You must light your cherchez lamp. À allumer votre esprit, mes chers amis. You must light your spirit, my qui veut allumer sa lampe ce soir? Who want to light his lamp tonight? Le Jéhovah des miracles. And the Jehovah of miracles. Le Jéhovah invisible. The invisible Jehovah. Et dans ce bâtiment ce soir, in this building tonight, il ne peut pas nous inspirer en vain. He cannot inspire us si in vain. S'il nous a donné ces paroles pour toi, if he give us this word parce for qu'il you, a envie d'allumer ta lampe, because he want to light your lamp. L'œil est la lampe du corps. The eye is the lamp of the body. Ton esprit, c'est ton œil, mon ami. Your spirit is your eye. Pour regarder to look ta destinée ce soir. Your destiny tonight. Et je crois de tout mon cœur. And I believe in my que heart ta lampe sera allumée ce soir. Your lamp will be lightened tonight. Parce que c'est un message inspiré pour l'église. Because it's an inspired message c'est un for message the church. Pour le redressement des choses. It's the message to redress things. C'est un message pour ceux qui veulent trouver la lumière. It's the message for those that want to get the light. Je le montre. I show it. Madame dit, Brother Adam says, tout ce dont vous avez besoin, whatever that you need, pour ce voyage terrestre, to this terrestrial se trouve journey, au ciel, is it in heaven? Ciel, is it in heaven? Ça se trouve en vous. Is in between you. Ça se trouve en vous. Is within you. Et le Saint Esprit, and the Holy Spirit, vient, comes, avec les positifs, with the positive, les négatifs, and the negative, se trouve en vous. Is in you. L'ombre de la chose est déjà en toi. Amen. C'est pourquoi Jean a dit, that's why John says, personne, nobody, ne peut recevoir, can receive, que ce qui lui a été déjà donné, that what is already been given to depuis le ciel, from heaven, depuis le ciel, from heaven, avant que tu sois dans ton arrière grand-père, before you become in your great avant great que father, tu sois dans l'arrière arrière grand-père, before you become in your great great father, Dieu avait déjà donné. God has already given. Déjà donné. Has already given. Il a placé des réalités. The reality. Rien que pour toi. Only for you. Et ces réalités sont dans ton cœur. Those realities are in your heart. Alléluia. Alléluia. Mais le problème est que. But the problem is. L'allumeur. The one who's lighting. Notre esprit. Our spirit. Est incapable. Is unable. De saisir. To catch. L'œuvre. The work. Que Dieu a déjà. That God has accomplished. Mais pas aujourd'hui. Is not today. Christ est déjà mort. Christ is already il dead. Il a versé le sang. He shed Frère blood. Branham, la Bible dit. And the Bible says. Pendant qu'il lâchait le cri. When he was crying. Eli,
Eli, il y a eu tremblement de terre. There was an earthquake. Le soleil a refusé de donner sa lumière. The sun could not light. Il y a eu l'obscurité. There was darkness. C'est dans ce temps d'obscurité. That time of darkness. Alléluia. Alléluia. Le voile du temple. The veil of s'est the temple. De haut vers le bas. That break from yes, up down. Est-ce que vous voyez cela, mes chers you amis? That, my brothers, la prophétie de Sophonie devait s'accomplir. The prophecy of Sophonie oui, monsieur et madame. En ce moment-là, at that c'était time, Dieu it was God qui était en train de chasser l'obscurité. That was chasing the darkness pour amener la lumière. To bring light dans ceux qui diront amen à sa parole. To those that will say amen dans ceux to qui his le word. Défendront dans les derniers to jours. Those that will defend him at the qui last est day. Prêt à prendre acte de lui ce soir. Who's ready to act for God tonight? Qui n'a pas honte de lui ce soir. Who's not shame of him tonight? C'est lui qui aura honte de moi. Who be shame of him? Moi aussi j'aurai honte de lui. He also be shame. Qui a le courage de lever sa main et dire who's je t'appartiens? Courage and say I belong to you. Je t'appartiens. I belong to you. Et dire je t'appartiens, and Père. Say, I belong to you, Father. Je n'appartiens pas à ma famille. I don't belong to my family. Mais je t'appartiens, Christ. But I belong to you, je Christ. Suis de ta famille. I belong to your family. Je suis membre de cette nouvelle famille. I am member of the new Seigneur family. Jésus. God Jesus. Réveille mon esprit. Awake my spirit. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Alimente mon esprit. Enlight my spirit. Seigneur Jésus. Lord Jesus. Chasse l'obscurité. Chase darkness. Qui se trouve en moi. That is in me. Que mon esprit soit capable. So that my spirit can be able. De saisir. To catch. La vision. The vision. Acclamons très fort le Seigneur Jésus Christ. Just applaud for the Lord Jesus Christ. Est-ce que c'est merveilleux, mes chers amis? Is it marvelous, brothers? Il y a toujours quelque chose. There is always something. Qui est derrière? That is behind. Il doit y avoir une raison. There has to be a reason. À tout ce qui arrive. To everything that happens. Naturellement. Naturally, par l'esprit qui est dans les êtres humains, by the spirit that is in the human being, et autres, and others, ça ne va pas. It doesn't work. Question de ton esprit. It's just a question of a spirit. N'accusez ni le voisin. Don't accuse the neighbor. N'accusez ni ton époux. Don't accuse your ni ton épouse, wife. Ni tes enfants. Neither your children. Ni la société. Neither the society. Accuse-toi toi-même. You must condemn yourself. Naturellement. Naturally. C'est mon esprit. It's my spirit. Si l'esprit refuse. If the spirit refuses. Le corps n'exécutera jamais cette histoire. The body will never follow that thing. Amen. 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 C'est pourquoi. That's why. Brother Bam says. Dans le chemin du retour, in the way back, il donne un exemple d'un médecin. He gives an example of a doctor. On a constaté that they notice que that beaucoup de malades, that many people s'ils ne sont pas sickness, chrétiens, if they are not Christian, ils sont troublés, agités. They are agitated. Ils sont troublés, agités. They are agitated. Quand ils sont tellement abattus, but when they are so tired, la mort s'approche vite. Death draw near fast. Mais d'autres, but others, ils tiennent à la parole. They hold to the word. Ils disent non. They say no. La mort n'est qu'un bénéfice. The death is just a benefit. La mort n'a rien à voir avec moi. The death has nothing to do with me. Je suis croyant. I am a believer. Je suis croyant. I am a believer. Nous voyons ces genres de personnes. We see those kind of people. Éloigner la mort. That stay away from death. Pourquoi? Why? À cause. Because de leur esprit. Of their spirit. Qui peut dire amen à la who can say amen to the word? Est-ce que je peux m'arrêter? Can I stop? Amen, amen. Amen, amen. On avance. Can we carry on? Non, on va ajouter la dose prochainement. Okay, we are going to add the dose. Et vous comprendrez la sensibilité de l'esprit. And you are going to understand the sensibility of the spirit. C'est pourquoi quand le diable vient. That's why when the Satan comes. Il attaque. He attack. L'âme. He attack the soul. L'esprit. And the spirit. Comment? How? Par les sentiments. By the feelings. Par l'émotion. By the emotions. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you.
Que Dieu vous bénisse, mes chers frères. May the Lord bless you, my brothers. Aujourd'hui, today, nous pouvons tout contrôler. We can control everything. Échanger. We can exchange. Parce que votre esprit, because your spirit, ne dépend plus du monde. Don't depend on the world. Ça dépend de Jésus-Christ. It depends on Jesus Christ. Vous croyez? Do you believe? Je sais qu'il y a des choses qui vont se passer dans le silence. I know there is thing that is going to take place in the assurance. Je sais que vous étiez venu avec de poids. I know that you came with burden. Mais vous sortez avec. But you come out. Je peux le sentir. I can feel it. Je peux le sentir ici. I can feel it here. Qu'il y a une fraîcheur surnaturelle qui traverse votre esprit ce soir. A natural coolness that's going through your spirit now. De recevoir ces vérités. To receive those realities. Est-ce qu'il y a un homme qui peut allumer ton esprit ce soir? Is there any man that can light your spirit tonight? Tu crois qu'il y a ici un homme qui peut allumer la lumière? Do you believe that there is a man that can light your Et spirit? Et qui est cet homme? C'est Christ. Who's lui-même. That man? He's the Christ. He's Jesus. Écrit, il est le même hier. He's the same yesterday. Aujourd'hui. Today. Et ce soir. And tonight. Que votre esprit soit allumé. And your spirit must be lightened. Et croyez cela de tout votre cœur. And believe that in all your heart. Que Dieu vous bénisse. May the Lord bless you. Est-ce qu'on peut se tenir debout? We sing, come down, the Holy Spirit. Nous chantons, descend le Saint-Esprit. Then we're gonna pray together tonight. Nous allons prier ensemble ce soir. Like we sing it in the song. Comme nous l'avons chanté dans la chanson. Say, come down, the Holy Spirit. Descend le Saint-Esprit. Because when the Holy Spirit comes down, quand le Saint-Esprit vient, into your spirit, dans votre esprit, then it lights your life. Ça va allumer votre vie. It lights your spirit. Ça va allumer votre esprit. And when your spirit is lighted, et quand ton esprit est allumé, all the darkness is taken away. Toutes les ténèbres sont ôtées. You walk in the light. Vous allez marcher dans la lumière. As he is in the light. Comme il est la lumière. And then the blood of Jesus applies. Et le sang de Jésus. And your sins are forgiven. Et vous allez voir. And you are possessed of everything. Et vous êtes les possesseurs de toutes Let choses. Let us all speak. Que nous to the Lord parler, to say Seigneur, thank you dire merci upon what we have received tonight. Sur ce que nous avons reçu ce Let soir. Us pray.